Oh là les gens, c'est Timoche, nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour sur un nouveau teaser de Five Nights at Freddy's et qu'on va aller voir tout de suite. J'ai dit tout de suite, merci, voilà. Attendez. Il faut qu'on me voit. Voilà, c'est beaucoup. Alors, je me baladais comme ça, j'ai démarré mon ordinateur, vous voyez que j'ai pas internet, c'est normal parce que il fallait que je réactualise la page, voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, revenons sur Scopetone. Oui, j'ai mis dans mes favoris, problème. Hormis, non, attendez. Non, mais attendez, c'est quoi cette image? Non, mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce Foxy? Alors déjà, c'est quoi cette horreur? Hein? Mais attendez, il y a un problème là. C'est que déjà, il a une langue. C'est quoi cette langue? Attendez, là je suis en train d'analyser parce que j'avais pas fait la dernière fois. Franchement là, hormis ou moi. Ouais, bah, ou toi, comment dire? En fait, ouais, ben aussi, il a aussi les yeux revolver, on peut un peu voir aussi. Attendez, déjà, un truc que je veux savoir. Oui, on voit ma souris. J'ai mis le truc de la souris, ça va. Ouais, ben, c'est très drôle. Très drôle de voir ça. Attendez, je regarde, parce que j'ai pas... c'est de la provision, hein, parce que... Ah oui, alors... est-ce que je vais aller voir tout de suite? Non, de toute façon, je me rappelle... Il y en a qui ont été environ, je dis, d'accord avec moi. Il y en a qui ont dit que oui, on sera dans un cauchemar du Purple Guy. Mais il y a un truc que vous devez savoir, c'est que attendez. J'avais fait ça la dernière fois. Alors on va faire avec le Foxy, mais tous ensemble. Oui, tous ensemble. Quoi, commentaire, quoi, nouveau teaser, c'est ça? J'ai pu le remarquer avant. Pupette et ketchup lol. Mince. Ah bah non, vous avez pas vu qu'il y avait un nouveau. Vous avez pas vu qu'il y avait un nouveau teaser? Oh, c'est dommage. Parce qu'on va aller voir. Alors, voyons voir. Un truc que je vous ai toujours appris. Écrire tout de Five Nights at Freddy's. Tout. Parce que si vous le faites pas, vous savez ce que vous pouvez vous attendre. Mince, attendez. Ah bah tiens, c'est dans les recherches. C'est qui a cherché Foxy? Mais tout le monde, parce qu'il y a tout le monde qui l'aime. Oui, alors. D'accord. Ouais, là, on a environ les deux. Alors, un truc. Ça. Je suis un peu sceptique. Non. On voit très bien par rapport aux dents. Que, oui. Alors, c'est bien un truc. Alors, c'est bien un truc que j'avais remarqué. C'est des nouveaux modèles. Non, alors, un truc qu'on va faire tout de suite. Voilà, on va l'enregistrer. C'est très bien. Oui, on va l'enregistrer, c'est très bien. Ah, ouais, c'est vrai, avec les autres images. Ouais, vu que c'est la même image. C'est ça. Ah, bah tiens, on va le mettre 4. Mais oui. Voilà. En fait, attendez. Je vais vous expliquer tous ensemble. Hein, tous ensemble. Ah non, attendez! Oh, Anti-mouche, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un truc avant. Alors, on voit toujours qu'il a son crochet, il a sa langue, ok, très bien. Mais, on a oublié de faire un truc qu'on a toujours oublié. C'est l'outil de développement. Allons voir, voyons voir. Outil de développement. D'accord. Bon, on peut peut-être pas avoir de spécial... Alors, il y avait un truc que j'avais vu, et est-ce qu'il y a encore? Ah, il n'y a plus? Ah non, il y a... Ah oui, il y a encore! Oula, attendez... Anti-Mouche qui est en train de... de décomposer les trucs. Alors, un truc qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de sets. Hein, vous avez peut-être pu le remarquer, c'est que le nombre de 7, il est beaucoup.
Même trop, je pense. Ah, et là, on finit avec un 2. Voilà. Alors, un truc qu'on peut toujours. Alors, franchement, il y a un truc qu'il faut qu'on me dise. Pourquoi il y a des trucs comme G, truc P, P, etc., etc., juste pour mettre des trucs 7? Est-ce qu'il y a à voir quelque chose avec le numéro 7? L'année 1987. Attendez! Attendez, attendez. Où on peut voir le 8? Et là, sur Scott 8. Et ici 8. Et voilà. Mais il y a un truc, c'est qu'on nous dit beaucoup de fois le 7 et aussi le numéro 2. C'est très bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va essayer de le découvrir tous ensemble. Et maintenant, on va passer à la partie analyse de toutes les images. Vu qu'on a tous les idoles, on va les analyser tous ensemble et créer une histoire. Ok, on est de retour pour jouer à Mouritour. Alors, nous avons. Alors, j'ai rassemblé tous les quatre. Hein. C'est fait par Antimouche, c'est génial. Alors, à ce que on peut déjà remarquer, c'est des nouveaux modèles. Donc, tous ceux qui disent que ça va se passer après Family Dinner et avant Final Fantasy 2, on peut dire que c'est faux. Parce qu'on voit très bien que c'est des nouveaux modèles. Parce que le Freddy, il a une tête tout à fait différente. Merci Skype. Bonnie, on voit très bien qu'il est différent. Et aussi ses doigts. Hein? Parce qu'il y en a qui disent c'est ceux de Bonnie de Final Fantasy 2, l'ancien. Regardez la main. Attendez, on va le faire tout de suite, tiens. Tiens. Non, c'est pas ici. Attention! Toutes les images de Antimotion. Attendez. Voilà! Regardez, c'est quoi cette main? C'est quoi cette main? C'est quoi cette main? Oh! Mais il ressemble pas du tout à celle-là! Mais c'est très bizarre! Oh! Mais c'est des nouveaux modèles! Comme je vous le dis. Et le Chica? De toute façon, j'ai une autre image aussi de Chica. Alors, ça tombe super bien. Non, ça c'est Tochika, désolé. Désolé. Chica, où es-tu? Chica, je t'appelle. Par-delà de mes souvenirs, je t'appelle, Chica. Non. Elle veut pas. Si elle veut pas, il y a un truc très simple. Qui s'appelle. Ah bah tiens. Voilà. Non, c'est nul. Non. Ouais, bah, tant pis. Tant pis. Hein. De toute façon, vous avez compris, c'est des nouveaux modèles. Et celui de Chica, dans le 2, on voit très bien que c'est une forme arrondie. Et là, c'est une totale autre forme. Et le cupcake, je sais pas. Ça peut. En fait, le cupcake, il reprend aussi celui du 2. Mais différent. On voit très bien qu'il est différent d'ailleurs. Et le Foxy. Alors, il y a un truc qui me dérange de Foxy. C'est qu'on ne voit pas le Nightmare. Bon, peut-être si on. Attendez. Ah, peut-être on voit un peu en bas, je sais pas. Mais on voit pas très bien le Nightmare où il est placé dans l'image. Bon, enfin, je pense qu'il y a le Nightmare dans cette image. Ou pas. S'il n'y a pas, c'est un mystère. Voilà. Mais on voit très bien que c'est un nouveau modèle. Surtout, on a vu avant que les dents de Foxy sont différents. Et aussi le endosquelette. Là, on voit qu'il y a une vis. Il y a une vis. Et avant, on voyait pas sur les anciens animatroniques. On voyait pas de vis. Peut-être si, mais pas de ce genre. On voit très bien que c'est des nouveaux. Alors, je crois bien que ça se passe vraiment sur le 4. Hein. Après, le 4, désolé. Non. Après le 3, désolé, encore désolé. Et aussi, alors, je me suis un peu inventé une histoire. Pas une histoire, on part de loin, on va dans les faux fonds de l'espace, non. On voit très bien qu'ils sont là pour tuer ou pour faire peur. Parce que le Springtrap, il était dans une attraction, ça fait peur. Ok, on voyait très bien qu'il était creepy. Et je pense pas que eux, ils sont là pour s'amuser.
Vous êtes tout à fait d'accord avec moi, ils sont pas là pour s'amuser. Ils sont là pour tuer. Ou bien pour faire peur aussi. Alors, ça peut se passer dans une nouvelle attraction, ou bien dans un cauchemar. Ou bien une attraction composée sur le cauchemar. Il y a ces deux positions, il y a ces deux propositions que je propose. Mais c'est tout. Sinon, on voit très bien que c'est des nouveaux modèles. Voilà. C'est voilà. Bon, aussi, j'aimerais faire une petite entre-parenthèse. C'est que j'avais pas vraiment remarqué que dans les mots, on nous disait est-ce que c'était moi? Alors, après réflexion, le 1987 peut être dans l'histoire de Final Fantasy 4, mais je crois vraiment que ce sera juste après Final Fantasy 3, dans le thème du lieu. Mais dans l'histoire, il peut nous expliquer aussi ce qui s'est passé en 1987. Voilà, je voulais juste mettre ce petit message entre parenthèses, et aussi je voulais achever cette vidéo. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de petits rageux qui vont venir. Alors, bon, je vous dis à la prochaine, et à ciao ciao. Fire!